Ici, nous avons une chambre automatique avec ici une entrée et là une sortie qui va directement au niveau de la Elisa. Et là, on a une tube de conduit d'air qui est connectée au vérin pour les actionner. Donc, lorsqu'on avance de l'air, donc les vérins se ferment comme ça. Donc, du coup, on mesure donc le gaz qui est là au niveau de la Elisa. Et après mesure, donc on relâche les vérins pour que la chambre puisse s'ouvrir. Je vais vous présenter l'installation que vous voyez ici. Donc vous avez ici donc une chambre automatique. Vous avez le compresseur d'air à ce niveau. Là, vous avez la cambeuse qui est une centrale d'enregistrement de données. Là, vous avez ce qu'on appelle un SDM qui fait tourner donc les entrées, donc les électrovannes d'entrée et de sortie d'air, et également les électrovannes aussi pour contrôler donc l'envoi d'air au niveau des vérins. Donc ici vous avez l'appareil qui sert à mesurer les gaz qu'on appelle le bicaro, et là vous avez la pompe. Derrière vous avez toute cette installation électrique qui permet d'alimenter tous les appareils que vous voyez ici. Nous avons l'analyseur, donc qui nous mesure 5 gaz, le N2O, le CH4, le H2O, le CO2 et le NH3. Donc là, nous sommes en train de mesurer la chambre 4 qui est actuellement fermée. Donc quand la chambre est ouverte, donc vous avez le niveau de CO2 qui est au plus bas. Et dès que c'est fermé, ça commence à monter. Donc ça monte en flèche. Voilà. Donc une fois la chambre réouverte, maintenant vous allez voir le niveau de CO2 qui va encore baisser.